Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je te propose un protocole pour une petite séance en circuit training, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération avant d'enchaîner sur le prochain atelier. Alors on commence par les pompes, donc les pompes classiques. Si t'as du mal comme ça, ben tu poses les genoux, tu y vas, hein, voilà. Et ben si t'as encore du mal comme ça, ben tu vas mettre tes mains sur une barrière et t'essaies de faire. Après je peux plus rien du tout, si tu sais pas faire des pompes, tant pis pour toi. Voilà, allez hop, on fait un peu de tirage pour travailler un peu les dorsaux. Ok, et puis un petit peu les épaules, voilà, et essaye de lever un peu moins haut les épaules, voilà. Ah, tu chauffes un peu les cuisseaux sur une chaise, là, ça fait du bien, là, tac, 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 et après, hop, on bascule sur la poutre et on s'élève le plus haut possible, on pousse, et si c'est trop facile, on prend un medicine ball de 2 kg, allez, pour les plus forts, une petite barre sur le dos, voilà, et là, un petit peu de technique au-dessus d'un élastique, ça fait du bien aussi. Tout de suite, derrière, on fait un petit peu d'activation des solaires, avant un bon petit travail de pied sur des montées de genoux, un peu sur plot, là, voilà. Pam, 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 en aller-retour, il faut utiliser un peu plus les épaules. Voilà, là, on latéralise un peu les montées de genoux, ça fait du bien aussi de faire un peu de coordination. Et hop, après, on fait du cloche-pied sur cerceau, on bascule sur du pied joint avec double appui, pas trop haut, voilà. Et bien sûr, comme on n'a pas encore fait assez de travail de pied, on finit et on s'achève sur la corde à sauter. Voilà. Tout de suite après, une petite phase un peu plus soft en gainage, la planche classique. Bon, après, bien sûr, on peut passer sur les côtés en dynamique, c'est plus sympa et plus intéressant. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur le gainage, j'ai fait une vidéo, vous verrez sur le descriptif. Voilà, on bascule droite-gauche. Et après, bien sûr, on peut se mettre en cuillère, on peut se mettre aussi de cette manière-là, mais là, ça peut tirer un peu sur le dos, donc je conseille éventuellement pour ceux qui ont des douleurs de dos de poser le dos à plat, plier les genoux, aller chercher loin avec les bras, quitte à porter quelque chose de lesté sur les mains. Voilà, et là, on fait quelques petites rotations. À la fin de ce petit circuit, tu peux faire 30 secondes de course dans un sens, tu récupères 20 secondes, puis après, tu enchaînes 30 secondes de l'autre. Là, tu récupères un peu plus longtemps, tu prends une minute, tu bois un coup et tu refais ça encore 4, 5, 6 fois selon ton niveau. Voilà, à bientôt, ciao. Et n'oublie pas de liker, de partager et bien sûr de t'abonner.